Ce dimanche 28 janvier, le Vinska FC reprend la saison. L'équipe va jouer son deuxième match. Après avoir affronté l'Underground FC, c'est face au YouTube FC que nous allons être confrontés. Comme le nom de l'équipe l'indique, elle comprend pas mal de YouTubeurs, dont deux que vous connaissez sûrement. Le premier, c'est Abdoulaye Sarr, alias le prof. Connu à la base pour ses tutos sur FIFA, il va devoir appliquer les règles virtuelles qu'il vous enseigne, mais cette fois-ci sur le vrai terrain. Il devrait évoluer au poste d'arrière droit. Ses points forts sur ton sœur, le 1 contre 1 défensif, la création d'occasion et le marquage. On verra ça dimanche. Et le deuxième youtubeur que je voulais vous présenter, c'est Yomax. Avec plus de 900 000 abonnés sur YouTube, il devrait évoluer au poste de milieu central. Ses trois points forts sur ton sœur sont la pénétration, l'agression et les tacles glissés. Là aussi, on verra ce que ça donne sur le terrain. Avec Ferrat, on s'entraîne donc pour ce match. On va les tuer, gros. Putain, si on perd, ça va ressortir cet extrait de vidéo, je suis dans la merde. Ça rapporte un petit challenge en plus, forcément, parce que il y aura un peu de chambrage, il y en a certains qu'on connaît, etc., qui nous connaissent. Donc je pense que ça va être cool. Et puis même pour vous, ceux qui regardaient le match, ça va être sympa de voir vos youtubeurs FIFA, foot et tout, tous ensemble, l'un contre l'autre. Ça peut être sympa pour vous. Ouais. Soyez pas comme des pots de fleurs, vous avez qu'un seul joueur à maîtriser. Voilà, voilà. Oui, 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 maintenant. Oui, bien joué, ça fait moins un. Ça, juste les petits bons vont être plus vus, c'est tout quoi. Falloir faire attention, falloir être un peu freestyle sur les bords. Non, ça va être cool, ça va être cool justement. On va voir ce que ça donne. Ah, qu'il y ait des youtubeurs ou pas, je m'en bats les couilles. On va faire le maximum et pas de quartier. Ça va faire certainement beaucoup de bruit, il va y avoir du monde, il va y avoir de l'attente. Du coup, on va dire aller un petit peu de pression, surtout qu'on a perdu le premier match, donc celui-là faudra le gagner. Et youtubeur, pas youtubeur, connu, pas connu, moi je vais pas perdre ce match donc. Moi, je suis toujours autant motivé, peu importe l'adversaire. C'est vrai que ça va être un petit match particulier parce qu'on connaît les adversaires cette fois-ci. C'est pas des gens que je connais alors. Moi j'avoue, ça change rien, j'en connais pratiquement aucun. Alors on va l'aborder pareil, avec encore plus de détermination que le premier match justement. On va essayer de trouver l'équipe qui va marquer le plus de buts sur ce dernier exercice. Oui, pour rappeler. Bien sûr, je vais dire. Après, c'est le match de salle. Oh oui. Ça change strictement rien. Même à la limite, c'est plus intéressant, plus motivant, on va dire, parce que tout de suite, on sait qu'il y a les fanbases de chaque youtubeur qui vont être là. Ouais, la team Vinska, c'est les meilleurs. Non, la team de l'autre, c'est les meilleurs. L'objectif, nous, c'est qu'on prenne du plaisir, qu'eux aussi prennent du plaisir en face, mais qu'on les batte, bien sûr. Oula, à la blé. Oula. Pas mal. Fini de. Une balle. Vincent, j'espère que t'as pas loupé ça. Oh ouais. Super apéro mille. Je pense que nos prochains adversaires, je les connais presque tous, on va dire, c'est des amis ou des gens vraiment que je connais bien. Allez hop. Allez belle. Oh. Oui. Ça donne encore plus envie de gagner. Attention, le meilleur buteur. Approche-toi encore un peu, je. Oh, yeah, il est chaud. J'espère qu'il y aura du niveau et qu'on pourra prendre du plaisir. Ça, c'est le plus important, c'est prendre du plaisir quand je viens ici, et peu importe contre qui je joue, qu'à la fin du match, on se serre la main, qu'on ait passé un bon moment, gagné ou perdu. Pour moi, c'est un match de foot comme un autre, donc faut tout donner et gagner. Après, les gens en face, ça change rien. Mister, fais pas ce truc. Oh, dégage. Oui. Allez, go. Ouais. Allez. Analysez bien la trajectoire de la balle quand je vous la remets. On va savoir maintenant quelle équipe a perdu dans cet exercice de frappe et qui va devoir faire un suicide. Aïe, ça fait mal, ça picote un petit peu. Des suicides au calme, t'es piqué tout l'entraînement, t'es nul tout l'entraînement, tu fais des suicides à la fin mon con. Allez, allez, solidaires les gars, on va vous regarder. Pour ce premier suicide de l'année, je vais essayer de vous garder en vie. Allez, on a une blanche. Je vous laisse récupérer le matériel, je vous laisse faire le point avec vos coachs, vos responsables.
J'ai pas les mots là. Franchement ça va, c'était grave cool. Je peux refaire ça tous les dimanches matin, tous les lundis matin, le mardi, le mercredi, pas le jeudi, c'est repos, et le vendredi peut-être. Bon bah le cri de guerre dans 3 secondes. 3, 2, 1.